Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la paille. La paille qui est une ressource nécessaire pour avoir une grande productivité dans vos fermes et notamment pour les animaux, les vaches. La paille est assez difficile à avoir puisqu'il faut de nombreux outils, notamment la moissonneuse batteuse, une presse et une pailleuse. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut doper la production de paille au cas où vous avez plus de paille et vous n'avez pas les moyens de vous en faire tout de suite. Alors, je vous invite directement à ouvrir votre dossier de partie. Pour ma part, il se situe dans Documents. Farming Simulator, My Game Farming Simulator 2015 Save Game 1. Et ensuite, le fichier en question, c'est Vehicle, celui-ci. Je vous invite également à ouvrir votre éditeur de texte. Pour ma part, c'est Sublime Text, qui est un logiciel gratuit. Ah, je vais fermer. Voilà. Et glissez votre fichier à l'intérieur. On agrandit. Je vous invite directement à descendre tout en bas du fichier, remonter un petit peu, jusqu'à obtenir ces balles ici, Chief Trigger Field Level, qui correspond au niveau de remplissage de vos silos de la ferme. Alors, ici nous avons un silage, l'herbe, et ici la paille. Donc en fait, with Windrow, ça c'est pour andin, et ça c'est pour blé. Donc en fait, ça correspond à la paille. On peut voir qu'il y a deux stabulations dans ma carte, j'ai deux fichiers. Et dans la première, j'ai 2848 litres de paille. Et dans la deuxième, par contre, j'en ai pas. Et j'aimerais bien en avoir sans forcément avoir besoin de faire de la paille directement depuis le jeu. Alors vous pouvez directement modifier le nombre ici en ajoutant la capacité que vous souhaitez, ici 2345 litres, et ensuite vous avez simplement à sauvegarder, CTRL S, et le tuto est terminé. Vous avez juste à ouvrir votre jeu pour voir les modifications s'appliquer. Voilà, donc si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder la chaîne pour d'autres vidéos de ce type, notamment comment avoir plus d'ensilage. Et sinon, je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Thank you.